life. Salut les amis, on se retrouve sur Subnautica. Alors, d'après ce que j'ai compris, la capsule de survie là, va se déplacer. Donc, il va falloir qu'on se dépêche avant qu'on la perde de vue. Donc, il nous faudrait déjà une balise fil de cuivre. Fil de cuivre, et bien sûr, faut 2 minutes, d'accord. Donc on va faire une balise de survie de position, enfin une balise quoi. Pour déjà mettre la balise là où on voudra mettre la base, pas la perte de vue. Et après, trouver de quoi faire de l'énergie. Pour la base et après la capsule de survie pourra se barrer où elle veut. Ou ça j'aime pas ça. Ouais, en plus gros lag à ce moment-là. Ça s'approche de nous et ça explose. On va récupérer un petit peu. Est-ce que je suis ouais, c'est bon. Des œufs, il n'y a rien à taper dans le coin. Cuivre, s'il vous plaît. Alors les premiers temps, je vais pas faire d'ellipse, mais je pense qu'après, pour tout ce qui est gros farming, je vais faire pas mal d'ellipse. Mais pour les premiers épisodes, on va pas trop s'emmerder au début à en faire. Vous voyez un petit peu ce que c'est du farming sur ce jeu. Pour ceux qui le connaissent pas. Voilà, normalement. Devrait en avoir. Non, il y en avait un autre avant qu'on remonte à la surface. Et de l'or, bien sûr. Ah, il y en a un là. Hop là. Ah oui, j'ai le scanner, donc c'est bon. Il y en a un autre derrière. Et de 1. Il n'y a rien. Raté. Il m'en faut encore un. Je fasse gaffe, on est dans le territoire des rôdeurs. Pour le moment, je vais pas très vite en nage. Donc ça va être compliqué de les fuir. Je regarde en même temps si je trouve pas des blueprints. Mais je suis pas sûr d'en trouver tout de suite. L'aurora a pas explosé. Je sais pas si c'est lié. Pop pop pop. Bon. Pas grand chose là. Hein. Ah. Non. Voilà, donc normalement là j'en ai 2. Parfait, ouais, tout de suite faire cette petite balise. Il fait sens qu'il va faire nuit ou. Eh oui. Il fait déjà nuit. Alors la nuit on ne voit plus rien. Avant on voyait très bien la nuit. Maintenant, depuis la mise à jour, on voit vraiment rien. C'est totalement immersif. Et du coup, les lampes torches et tout ont leur intérêt. Avant, elles ne servaient un peu à rien. On va profiter, il y en a un là. Hop. Un là-bas. Alors je sais que le titane on peut le récupérer avec les débris qui traînent un peu par-ci par-là. Je préfère les garder pour le moment qu'on ne construit pas la base, parce qu'on en aura beaucoup besoin après. Et surtout les laisser là où il y a les rôdeurs,
laisser, les débris. Ça permet d'avoir des dents de rôdeur, justement. Donc, fil de cuivre. Et balise. Donc on a balise, on va attendre qu'il fasse jour pour trouver un petit coin où faire la base. Ensuite, dans les outils. J'ai le couteau, j'ai le scanner. J'ai le constructeur. Cutter laser, pinceau, pas besoin. Fusain, pas besoin. Lampe torche, on aura sûrement besoin plus tard. Le soudeur, pour le moment, on n'a pas besoin non plus. Là-dedans, ce qu'il faut. Ok. Ok, ok. Il fait toujours nuit. Bon. Ah. Déjà. On profite. Tac, tac, tac. The central dark matter reactor will reach a supercritical state in T minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Père Gégère qui s'affole. Donc oui, près de l'Aurora, il y a des radiations. Et là, il est complètement foutu. On peut plus rentrer. Bon, il va falloir qu'on répare ce truc-là aussi. Apparemment, ça, oui, ça... On verra bien s'il y a des... Ah, bah j'avais pas vu, tiens. Hop, voilà. D'accord, donc si c'est le même qu'on a en construction, toutes les 30 minutes, il y a un machin. D'accord, c'est cool. Pour qu'on construise ça aussi rapidement, une fois qu'on aura la base. Donc là, le jour devrait pas tarder à revenir, donc on a la balise. Il va falloir qu'on aille chercher de quoi faire de l'énergie. Bon, je vois pas grand chose. Il faut trouver un coin où on ait assez de profondeur et aussi assez de hauteur. Vite que le jour revienne parce que j'y vois vraiment que dalle. Ici ça me semble pas mal. Là-bas, ouais. Là on arrive dans de la profondeur là-bas au bout. À la hauteur. Ça me semble vraiment pas mal. Est-ce que c'est constructible? Plateforme. Gros bug. Non, c'est bon. Alors, oui, c'est constructible, donc on va plutôt s'installer ici, on verra bien. Alors, je vais déjà mettre la balise. Alors, je vais la placer un peu sur le côté. Lâcher, comment que ça marche. Tac, ça marche tout seul, c'est parfait. Alors, la balise est posée. Maintenant, ce qu'il nous faudrait, c'est trouver des blueprints. Je vais remonter à la surface avant parce que sinon, je vais mourir. Alors, l'Aurora est là-bas. C'est plutôt sympa. Alors, je sais pas du tout où se trouvent les blueprints. Je me suis pas du tout renseigné. La vidéo, donc je vais découvrir avec vous tout simplement. Je trouve c'est beaucoup plus sympa, et puis si vraiment je mets du temps à chercher certaines choses, je les ferai hors caméra.
Normalement, on devrait commencer à trouver des objets un peu partout. Vu que ça a explosé. Oh, ça y est, je me fais déjà chasser. Vous allez sûrement en voir et moi non. Toujours comme ça. Pour le moment, je n'ai rien vu. Ah, ça y est, il y en a un. Alors, il me semble que de base, maintenant, on n'a plus de. Voilà, on n'a plus rien pour l'énergie, donc ça va être le prioritaire à trouver. Il est là. Je vais plutôt prendre la dernière minute parce que avec ces rôdeurs, on ne sait jamais qu'est-ce que c'est. Panneau solaire, eh ben, ça tombe très bien. Et il m'en faut encore un. Ouh, j'avais pas vu. Fragment. Véhicule. C'est guide. Pas d'autre. Il m'en faudrait un deuxième de panneau solaire. Et on pourrait déjà commencer la construction de la base avant que la capsule se barre très loin en dehors de la map du jeu. Donc déjà on a le petit véhicule. Voilà, donc là on l'a déjà, mais c'est pour être sûr de ne pas revenir plusieurs fois sur le même blueprint, je préfère les récupérer. Du coup, ça les efface. J'oublie à chaque fois de l'enlever. Voilà, par contre il va falloir qu'on prenne de la bouffe aussi, parce que sinon on va avoir la dalle. Alors, hop, panneau solaire. Ah bah hé, on a une chance pas possible, pas besoin de faire d'ellipse. Alors, du coup, on a pas mal de trucs à construire dès le départ là. Déjà, hop, c'est là-bas. On va prendre de quoi quand même manger, passage. Reviens. Pourquoi tu... Possible ça, voilà. Hop, un deuxième, ça devrait suffire. Ça se mange ça ou pas? Non, on peut même pas les attraper, je pense. Non. Ah, les gros nenouilles. Par contre, il nage super vite cela. Voilà. Bon, je pense qu'avec un ça devrait suffire. Donc, par contre, je nagerai plus vite sans. Voilà, donc c'est parti. J'espère que ça va pas commencer à dériver. Non, c'est bon. En plus de ça, je ne sais même pas dans quel sens ça dérive ni quoi que ce soit. Hein. Quand c'est parti, c'est parti. Je pense que c'est un bug du jeu. Alors, vu qu'il y a une mise à jour récente, ça se trouve, ça a été réglé. Re, les amis, petit bug de mon jeu. Alors, du coup, j'ai fait une petite coupure. Donc, on va faire de l'eau. Ensuite, on va manger. Ça, on va se mettre bien au niveau survie là-dessus. Hop. Alors, oula. Voilà, c'est bon. Tac, tac, tac. Donc là, on est bon. Ensuite, je vais récupérer tout ce que j'ai pris.
Tac. C'est correct, je pourrais en avoir. Hein, voilà. Bah, la nourriture à l'eau, on va la prendre aussi. Et l'extincteur, dans le doute, s'il sert encore plus tard, je le prends quand même. Donc voilà. Ça peut dériver. Là, il n'y a toujours rien. Ok, bon, bah, c'est parti. Alors, par contre, du titane, il va m'en falloir pas mal, je pense. Donc, on va là-bas. Comment je vais faire ça? Oui, non, c'était bien le bon, c'est ça. C'est un peu en pente quand même. Je suis pas sûr qu'il fonctionne bien. Ouh! Ah, ouais, mais. Petit imprévu. S'il y a ce machin en dessous, je vais peut-être pas faire ma base là-dessus parce que c'est. C'est dégueulasse. Il y a peut-être des trucs à récupérer à l'intérieur. Ouais, sûrement. Ah. Alors, déjà, scanner le bureau. Pour déjà faire le bureau, ça, non, ça scanne pas. Je peux récupérer la photo ou... Non. Apparemment, il y a une fille avec nous. Hein. Là, on ressort. Ok. Je crois voir une autre pièce. Donc, toujours un bureau. Ah, une chaise. Une chaise. Nickel. Dépêche-toi, dépêche-toi. Alors qu'on monte à la surface aussi, ça, il n'y a rien à récupérer dessus. Hein. Non, ça c'est les caisses. Oui, oui, je sais, je sais. Pourquoi ça passe pas? Bon. D'accord, je me bloque. Hop. En montant, je vérifie autour. Oui, c'est bon, on a le temps. Non, il est là, ok. Bah, du coup, on va récupérer la balise. J'espère qu'on a assez de place. Ouais, ça doit aller. On est large. Hop. Parce que du coup, ça me déplaît pas mal. Bien dommage parce que c'était sympa là, comme ça. Une sorte de falaise. Assez proche pour les panneaux solaires et tout, donc c'était plutôt sympa. On va essayer de voir là-bas. Ça nous éloigne pas mal quand même, mais bon. Ah oui, mais là on va tomber sur la zone. Ah, radiation! Oh là là. Ouais, non, juste à côté des radiations, c'est pas top du tout. Bon, bah on va voir en sens inverse de l'aura. La capsule est là, ok. Allez tout droit, puis on verra bien dès qu'on a un peu de profondeur. Passe à l'installer là où on est tombé. On va quand même choisir un petit truc sympa. Ah, on arrive au niveau des rondeurs. D'accord, les poissons sautent. Ok. Alors, ouais, mais je veux pas trop m'éloigner de la zone de départ quand même. C'est qui pourrait. Oh, mais là c'est pareil. Encore un truc. Il y en a partout en fait. Bon, on va y jeter un petit coup d'œil quand même.
On est sur place, hein. Pas trop s'embêter non plus. Juste trouver l'entrée. D'accord. Est-ce que ça serait pas un truc... Il nous faudrait le... L'appareil de soudure. Ah non, c'est sur le dessus. D'accord. Alors, voyons voir. Voyons voir ce qu'on a un peu là-dessus. Ça, je sais pas ce que c'est scannable ou pas. Non, normalement, il y a un petit indice qui me dit si on peut le scanner. Encore des bureaux, des chaises. Ça... Non, c'est dommage. Ouh là 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 là, on commence à plus rien voir. J'ai pas de lumière sur moi, je vais me perdre là-dedans. Ouais. Ah, Warning, oh. 30 seconds of oxygen Ouais, 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 remaining. ouais, ouais, ouais. Pas mourir aujourd'hui, hein. Voilà. Bon, il me semble que j'ai fait tout le tour, hein. Assez loin et voir par là-bas là. Espérons qu'on s'en approche pas trop, j'espère. Ça a l'air de descendre pas mal et une petite plateforme en haut qui pourrait le faire. J'ai enlevé le truc, ça va nager plus vite. Ah, ça a l'air sympa ici. C'est plutôt pas mal, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je pense qu'on trouvera pas de coin super joli à mon avis, hein. Ok, on passe à travers. Ah non, creuser le sable, ok. Est-ce qu'on a des... Non. D'accord. Ok, donc c'est pas encore top leur machin, mais pourquoi pas. Là, on a une bonne zone. Le problème qu'il y a, c'est qu'il va déjà faire nuit. Bon. Bah, c'est plutôt sympa ici. Bon, alors. On va lâcher la capsule ici. Je vais commencer à faire une hop, ça c'est là que je veux. Tac, une plateforme. Wow, 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 wow. Ouais. Ouais. Je vois déjà plus rien. On va la mettre comme on peut. Hein. Bon, ça se fait que ça marchait. Ah. Mais d'accord, on voit les. À quoi que, comme ça. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. Ah bon, bah, du coup, on voit plus rien. Je vais rentrer dans la capsule de survie, on voit bien la balise. Alors, retourne dans l'eau, s'il te plaît. Oui. Et je vais stopper l'épisode une fois là-bas. Et on va commencer vraiment la base, les choses sérieuses au niveau de la base. Ah, je suis quand même assez loin. Hein. Ouh, il y a des rôdeurs. Il y a du rôdeur.
J'espère qu'elle a pas déjà commencé à dériver parce que. Non, apparemment non. Là, au moins on allait pas aller au solaire. D'ailleurs. Ah, il faut que je fasse les panneaux solaires avant. Ça se fabrique avec quoi ça? Non. Du titane et du quartz. D'accord. Bon bah ça va. J'ai pas besoin de la machine à crafter pour le faire, donc ça sera super. À chaque fois j'oublie d'enlever les trucs. Ceci c'était pas mal, mais c'est complètement plat, on peut pas faire de la profondeur. Ça va faire vide. Il y en a un nouveau, ouais, c'est cool ça. Du coup. On va tout garder en attendant. Vraiment tout garder. Non, il n'y a rien besoin. Je sais pas pourquoi. Je clique là-dessus. On a du verre déjà de près. On a. Ok. Titane vert, donc ça c'est bon. Et pour la. Tac, 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 ok. Aquarium, ok. On n'a pas la grande salle. Non, c'est bizarre ça. Non, c'est ça que je veux. Si, on a la grande salle. D'accord, c'est juste du titane. Donc, bah, c'est parfait. Donc, du coup, on n'a pas besoin de ce truc-là. Donc, si ça dérive, ça devrait être bon. Pour le fabricateur, il faut juste de titane. Donc, c'est parfait. Ça a l'air d'être gratuit. Et ça, c'est de titane. Donc, du coup, on aura tout ce qu'il faut dans la future base. Du verre, ok, bah du verre on pourra le fabriquer avec ça, donc c'est parfait. Voilà, donc sur ce, c'est la fin de ce premier, deuxième, pardon, épisode sur Subnautica, avec notre Aurora totalement déglingué et radioactif. Après on va commencer la base, à fabriquer le petit truc qui nous permet de nager plus vite. Un petit machin avec une hélice derrière quoi. Et on va essayer de se diriger directement sur l'île pour aller chercher les jardins d'intérieur hein, et les pots. Et quelques graines pour pouvoir survivre et pas manger des poissons tout le temps. Ce qui nous économisera de faire les aquariums tout de suite et qui nous permettra d'être autonome assez rapidement et après de faire vraiment ce qu'on veut. Donc voilà. Allez les amis, bonne journée à vous, ciao.